On sait que lors de votre départ pour la Côte d'Ivoire, vous avez eu des problèmes avec les autorités aéroportuaires d'ici. Ouais. Pour commencer, dites-nous, quelle est votre réaction par rapport à ça, cet incident? Ouais, écoutez, d'abord, il faut peut-être revenir sur les faits. Mm-hmm. Je suis arrivé, comme d'habitude, au barrage qui donne accès au parking Viagon. Les gardes qui étaient là m'ont fait savoir qu'ils ont reçu des instructions et que je ne peux pas passer. Mmh. Vraiment, croyez-moi, j'en ai ri quoi. J'ai dit, ah bon, mais ça ne m'étonne pas, nous sommes en Guinée. J'ai dit, c'est vrai, j'ai dit, pourquoi? Ils disent, non, ils ont reçu des instructions, ça vient d'en haut, que je ne dois pas accéder au parking VIP. J'ai dit, mais attendez, vous êtes au sérieux là? Je dis, non, monsieur le Premier ministre, on est sérieux. C'est des instructions qu'on a reçues. Mmh. J'ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Et bon, donc, je ne veux pas traîner ici, mm-hmm. Je vais continuer. Je dis que ça, je sais que ce n'est pas à vous. Il dit non, vous avez habituellement, dès qu'on vous aperçoit, on lève le barrage pour mm-hmm. passer. Mm-hmm. Et là, les instructions sont fermes, on ne peut pas vous laisser passer. Mm-hmm. J'ai dit très bien, alors je suis descendu de ma voiture, j'ai pris mon trolley et je suis allé à pied. Mm-hmm. Bon, et aujourd'hui, en revenant, bien entendu, j'ai considéré que le salon et le parking VIP me sont interdits, donc je suis passé avec les autres passagers, mais c'est plus agréable. En tant que chef de file de l'opposition, ouais, comment vous réagissez savez, à cela? La loi portant statut de chef de file de l'opposition me donne un rang protocolaire très élevé. Mmh. Normalement, je viens immédiatement après les présidents des institutions, donc même avant les ministres. C'est la loi. Oui. Mais vous savez, M. Fakonde n'applique la loi que lorsqu'il le veut. Si bien tous les avantages qui sont prévus pour le chef de file de l'opposition, il l'a fait annuler, sans annuler la loi. Je m'attends à ce qu'il annule la loi, mais en attendant, il la viole. Je devais avoir un véhicule de commandement, un véhicule d'escorte, mais il l'a bloqué. La procédure était engagée, j'ai fourni les factures pro forma et puis il a décidé de ne pas le faire. Donc, mais ça ne me dérange pas ça. Je ne me bats pas pour des avantages, je me bats pour des valeurs. Que notre pays vive dans une société plus juste, ou avec une démocratie apaisée, un état de droit, avec une société au sein de laquelle et tous les fils du pays se sentent unis autour des valeurs que j'ai rappelées, mais aussi par l'appartenance à cette nation qu'est la Guinée.